C'est une petite structure d'édition qui est basée dans le Pacifique, dans l'océan Pacifique. On est même basé à Tahiti, en Polynésie française, mais on a un catalogue qui couvre l'ensemble de la zone océanienne. Donc Tahiti et la Nouvelle-Calédonie pour les auteurs francophones, et également un gros travail de traduction du Pacifique anglophone, donc Nouvelle-Zélande, Australie, Samoa, Tonga. L'an dernier, un auteur papou de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est la première fois qu'un texte papou était traduit en langue française. Merveilleux livre qui s'appelle Maïba. Et donc notre idée, notre concept, notre esprit, c'est d'essayer de défendre des littératures qui sont peu connus, voire inconnus, mais qui ont un vrai caractère, des origines communes, puisque tout le Pacifique a les mêmes origines qui remontent loin dans le temps, et une histoire assez semblable, qui est l'histoire d'une région qui a été colonisée par des puissances francophones ou anglophones, mais passer la barrière de la langue, on s'aperçoit que l'histoire est commune et c'est une littérature singulière, différente. Je pense en particulier à des gens comme Patricia Grace, qui est probablement l'auteur le plus prestigieux qui soit à notre catalogue. Je crois qu'on est au sixième titre de Patricia. Patricia Grace a été, il y a quelques années, a eu le prix Neustadt, qui est le petit Nobel, qui est un écrivain vraiment de dimension internationale, avec une nouveauté qui sort le 15 avril, qui s'appelle Chappie, qui est un merveilleux livre, extrêmement littéraire. On espère que des gens vont s'intéresser à cette littérature qui est un petit peu nouvelle, c'est vrai, mais qui, au même titre que toutes les littératures sud-américaines, nordiques, a sa place dans le monde littéraire français. On reçoit beaucoup de manuscrits, en général francophones, puisqu'il y a une production littéraire qui est importante, pas toujours de très bonne qualité, mais qui est importante à Tahiti et en Nouvelle-Calédonie, et également des gens de l'ailleurs qui écrivent sur la région. On vient de sortir le livre de Pierre Furlan qui s'appelle « Le livre des îles Noires » sur les vies de Robert Fletcher au Vanuatu. On vient de publier un livre de Tan Van Tranut, qui est un auteur qui est chez Philippe Piquet pour son côté les enquêtes du mandarin Tan, mais qui a été résidente à Wellington en Nouvelle-Zélande et qui a produit un très beau manuscrit qu'on a pris. Donc il y a la partie effectivement francophone, où là on reçoit des manuscrits, et la partie anglophone où moi je prends mon bâton de pèlerin éditeur et je vais en Nouvelle-Zélande, en Australie, je rencontre les gens. J'y vais depuis de nombreuses années, donc je suis un peu identifié. Et puis on a réussi à créer un esprit. Tous les grands auteurs océaniens sont au vent des îles. Tout le monde le sait, et en général, oui, je suis contacté directement par les éditeurs, tous les gros éditeurs océaniens, Penguin, donc eux me contactent, et puis après, voilà. Et puis, bon, il y a des auteurs comme Patricia Grace, Witty E. Myra, Albert Venn, qu'on publie depuis plus de 10 ans, donc qui n'ont pas envie de changer. Et qui, oui, c'est. Je pense qu'on a au moins réussi à créer une famille, un esprit. Et les gens sont. Les auteurs sont contents d'être avec nous. Puis il y a ce côté peut-être un petit peu océanien qui leur plaît. Même s'il y a d'autres éditeurs qui commencent à s'intéresser à ces littératures, peut-être parce qu'un jour l'heure des littératures océaniennes viendra. Et moi j'ai hâte, évidemment. Mais voilà. Ça se passe plutôt bien niveau
quête et collecte de manuscrits, on en reçoit beaucoup, on peut bien évidemment pas tout prendre, mais oui, on est souvent sollicité.